heures, allez! T'as pas le temps pour les Marco Polo. Quoi? Non, rien. Alors, ils ont inondé leur ville pour protéger leur secret. Je crois que les soldats savaient qu'ils servaient de leur. L'honnêteté n'est pas toujours la solution. C'est vrai, non? Ouais, peut-être. Mais regarde cette montre. C'est peut-être un vieillard en ville. Vieil enfoiré, il l'a pas lâché facilement. Ouais, je m'en rappelle. T'en doutes ou quoi? Ok. Je vois pas la défense. Tu la vois? Putain! C'est réglé. Là, je parais que moi. Oh merde! Thank you.
Dans la ligne de tir. Espérons qu'il y a une autre sortie. Le truc gravé sur le sol, c'est quoi d'après toi? Ça présage rien de bon. Tu vois ces canaux? À mon avis, ils sont pas là pour conduire de l'eau. Oh. Là-haut, je crois qu'il y a un passage. Ok. Il y a de la lumière là-bas. Pauvre type. Je sais pas. Je préférerais moisir en prison plutôt que de me faire torturer. J'en prends bonne note. Bon, alors, comment on sort de ce trou ? Là-haut. Ah, t'as raison. T'entends ? Oui. Voilà notre indique. Là-haut, il y a une brèche. De Shiva. Impressionnant. Mon expert n'a rien trouvé en une semaine. Vous devriez peut-être en engager un autre. Possible. Vous savez, on parle d'un jeune roi. Il était bon. Alors, il mit fin à nos rituels. Mais les anciens rois, eux, savaient que le progrès exige des sacrifices. C'est ça que vous dites à vos hommes ? Très bien. Alors, pendant les guerres, ces aqueducs charriaient du sang dans toute la capitale. Car ceux qui ne se battaient pas devaient alors servir d'exemple pour tous les autres. Oh.
Allez, finissons-en. Rends-moi mon disque. Allez, viens. Merde. Tu es fier de toi? Un peu, ouais. Allez. Faudrait que tu travailles tes réflexes. Vous voyez, pour régner sur un peuple, il faut d'abord répandre le chaos. Attendez! Je vais provoquer une guerre civile. Ensuite, j'éliminerai la misérable lignée du jeune roi. En commençant par vous. Accroche-toi à quelque chose. À n'importe quoi. Putain. Ça va. Ouais. Je crois. Vas-y doucement. T'étais inconsciente depuis une demi-heure. Une demi-heure. Ouais. Oh merde. Oh, merde. Ah, ça m'a pris le disque. Calme-toi. Oh, il faut qu'on le suive. Tu calmes. Tu vas tenir le coup? J'ai connu des soirées plus mouvementées. Je veux pas savoir. Je suis contente que t'ailles bien. T'as une sœur jumelle, non? Ouais. Ok. Récupérons ce disque. Et des armes. Et des armes. Je voulais te dire, t'avais raison à propos d'Assav, c'est vrai. Il paye vraiment pas de mine. Tu trouves aussi? C'est exactement ce qu'il veut. Je suis sûre que ses lunettes lui servent à ça. Pour avoir l'air plus inoffensif ou plus futé? Les deux. Il est intelligent. Il était docteur avant d'embrasser sa cause. Alors il a abandonné une carrière lucrative? À un moment, il a cru que c'était la meilleure chose à faire. T'es sûr que tu peux continuer? Mais oui, ça va aller. Faut juste que j'y aille mollo, capitaine. D'accord, on a réussi. Allez, ouvrons ce truc. C'est pas vrai. Je dirais même vache sacrée. C'est Nandi. Elle garde la porte de Shiva. Ça doit être l'entrée de la vieille capitale. Ces aqueducs doivent ouvrir. Ouais. Oh merde. Assav s'apprête à entrer. Ok, alors entraîne pas, suis-moi. Non. Comment ça, non? Sam Drake. Son putain d'expert, c'est Sam Drake? Ouais. Chier. Tu sais quoi? C'est une bonne chose. Je vais faire d'une pierre deux coups. Nadine. Quoi? C'est un peu grâce à Sam si on est là depuis... Non, tu te fous de moi. C'était mon contrat.
Sam partait devant en reconnaissance pour trouver le disque. Merde. Mais il a disparu, et j'allais pas le laisser pour mort. Tu savais ce qui s'était passé entre Sam et moi, et tu m'as embarqué. C'est ta relation avec Asav qui a fait de toi la... On va surtout te retiens pas. Je me suis retenue. Tu sais quoi, Nadine? Ça change absolument rien. Tu auras quand même ta part. Ah ouais? Ou vous vous débarrasserez de moi dès que vous aurez la défense? Tu sais que c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est exactement comme ça que fonctionnent ceux de ton espèce. Et dire que je t'ai fait confiance. Écoute, j'avais prévu de te parler de Sam, je te jure, j'attendais juste le bon moment. C'est pas grave, je préfère marcher, de toute façon. Merde. Voilà ce qu'on gagne, à être honnête. La claque. Bon, on n'est pas très loin. Oh. Heureusement que j'ai pris des calmants. Évidemment. Et dans le 4-4. Et pour le tout. Moins vite! Moins vite! Bah. Oh. Bon, au moins il me reste ma dignité. Cher univers. J'essaie par là. Ah, bien. C'est mieux comme ça. Elle est vraiment dans la merde, là. Faut que je la rejoigne. Je vais dire adieu à la caution. Salut, Maïla. Comment tu vas?
tu meurs avec cette chaleur, pourquoi tu es toujours aussi chaud chez toi? Moi ça va, c'est comme d'habitude, mais un peu plus frais qu'il y a un moment, mais bon, c'est habitué hein, à la chaleur. Mais... Bah il est sorti il y a même pas une semaine. Allez, monte! C'était quoi ça? Rien ici. Ça va faire un bon truc dans ce blindé. Ah ouais, 34, ok. Nous, il faut pas 34 au moins. Heureusement. Oh, dégage ce blindé. Putain de merde. Ouais, donc tu cherchais les accréditations. Presque plus. Nadine, tout va bien? Tu peux pas t'empêcher de donner des coups de pied dans la fourmilière, hein? Oui, oui, écoute, on ira nulle part tant que ces types seront dans le coin. Eh ben, il ménage Tididi. Ouais, ça va être comme l'année dernière, ça va être en septembre que tu vas pouvoir demander des accréditations s'ils n'ont pas changé leur méthode. L'année dernière, c'était comme ça, après cette année, est-ce qu'ils vont faire pareil ou pas? Juste qu'ils vont pas changer les critères. De toute façon, dès qu'on peut, c'est pas sûr que ça soit début septembre, mais plus le milieu, il me semble. Je te mettrai un message. Il paraît que ces quatre se marient très bien, regardez. Après, est-ce qu'ils vont faire comme l'année dernière avec les nombres de followers? Ils l'ont donné à beaucoup de personnes l'année dernière. Ouais, moi aussi, mais je vais sûrement y aller le week-end aussi. Sinon, j'ai pas l'air de créneau. Pourquoi t'auras pas l'intérêt à payer?
Salut Captain. Comment ça va? Je disais, pourquoi tu payes pas l'hôtel? La fille est en patron. Nadine, ça y est, plus personne. Tu vas bien. C'est pas bien d'aller chez des personnes. Voilà, moi je te dis. Je te dis voilà. Une cloche. Et voilà. Même pas un merci. Attends, tu m'as carrément menti. J'ai pas menti. J'ai juste préféré ne pas te parler de Sam. Incroyable. Écoute, Asav va prendre de l'avance. Il faut pas qu'on traîne. Oh, merde. Écoute. Allez, crache le morceau. Ok. On joue carte sur... Ah, tu amènes le fils du patron. J'ai bien besoin ça. De ton aide. Il fallait y penser avant. Et toi, de moi, si tu veux la défense. Ok, j'aurais pas dû. D'accord? C'est ça, tes excuses. Si ça t'aide à te calmer, on va dire que oui. Écoute, là, on a toutes les deux quelque chose à faire. Tu comprends? Que ce soit bien clair. Ma priorité, c'est la défense. Pas et tu vas avec le fils et la fille du patron? Et encore moins. Tu te tapes le patron en fait. Le gros culé. Tu m'avais pas dit. Va. Qu'est-ce que tu fais? Assure qu'on ne suivra pas. Très bonne idée. Dommage. T'as fait le patron, c'est pas mal. Ni plus ni moins que ce que t'as entendu. Qu'est-ce qu'il fout? T'as un copain? Ah, je savais pas. Incroyable. Oh, ça alors. Les rois ont fait entrer leur peuple dans ces tunnels. Quoi? On n'a pas trouvé l'entrée. Mais la porte de sortie. Et arrête de tout casser. Il est là le trésor. Ok. On dirait un puits à degrés. Tu t'en fous. Chut. T'as entendu? Oh. Maintenant, oui. On sort les gros moyens, on sait jamais. Oh, des rats. Et nous
façon, il travaille pas le week-end, ton pote, ton copain. Non? Eric, hein, Lyon. J'en sais rien, mais c'est proche. Ça a dû s'effondrer à cause de l'explosion. Doucement. Chut, 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 tout va bien. Désolée. On va te sortir de là. Attends, pars pas si vite. Il faut qu'on saute. Reste calme. Tu me parles à moi ou à l'éléphant? Les deux. Oh, ok. Il nous emmène où? Où il veut. Tiens. T'en veux? Voilà. Vas-y! Sinon, quoi de neuf, Maïda? Écoute, je suis pas très douée dans ma relation avec les gens. T'es qu'une conne égoïste. Ouais. T'as raison. Je suis qu'une conne égoïste. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Alors, t'as entendu ça, papa? J'ai finalement hérité d'un peu de toi. Il est arrivé quoi à ton père? Il était du genre à jamais rien lâcher. Le ministère de la Culture lui a proposé de financer une autre de ses expéditions. Parce que cette fois, il était sur un gros coup, comme il disait. Il était toujours sur un gros coup. Mais... des bandits ont attaqué son campement, et... ils ont retrouvé son corps des semaines plus tard. Et cet objet stupide, c'est ce qui me reste de lui. Je suis désolée. Oh, ça va. Il a fait ses propres choix. Alors... écoute, Fraser... t'as pas... Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il charge. Dis-lui d'arrêter. Comme si je parlais à l'éléphant. T'as pas eu de venir. Regarde-moi ça. Je comprends pourquoi elle était si pressée. Et à propos de Sam... ça va, j'ai compris.
Ok. J'ai mes merdes à régler, moi aussi. Alors je te propose de mettre ça de côté. Ok. Ça marche. Allez. Au moins, on aura accompli une bonne chose aujourd'hui. On aura réuni une famille. Garde tes distances. Et un petit recul. Je sais. Attends, je vais la prendre celle-là. Ah, ok, merci. Tue-toi un peu. Nickel. Maintenant, tends ta main un peu par là. Quoi ? C'est le moyen le plus sûr de caresser un éléphant. Merci beaucoup. Était plus grand. Sûrement l'habitude de voir des éléphants d'Afrique. Là, ce sont des éléphants d'Asie. C'est quoi la différence ? Plus petit. Plus petites oreilles. Avec, comme, des doubles bosses sur le crâne. Sympa, Asav, de nous avoir laissé des provisions. Fais le plein si besoin. Ça marche. Là-haut. Regarde, en haut des escaliers, je vois de la lumière à travers l'eau. C'est beau. Bonjour, Belour. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut admirer une ville. Personne n'a vu depuis des siècles. À part Asav. À part Asav. Et une partie de ses hommes. Et une partie de ses hommes. T'es prête ? Tu viens de me gâcher ce beau moment. Tu te rends compte ? Ouais, je suis prête. Comment on entre ? Je sais pas. On dirait des habitations sur le côté. Alors grimpe. Tu serais là ?
tout. Le boss craint. C'est véritablement une péniche. Quelle insulte. Un occidental ne sait rien qu'on sache déjà. Voleuse et indienne. Ça reste quoi? Elle n'est pas indienne, c'est une métisse. On va contrôler ça. Ok. On est grillés. Comme ça, on n'est plus grillé. Voilà. Cool. J'ai oublié le grappin. Coucou, elle est là. On va s'éclater.
peur. On y retourne. Ah, voyons où ça nous mène. Encore ici. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans la ville. Ça va pas dû trouver d'entrée, alors il s'en est créé une. J'aurais cru qu'Assav aurait plus respecté cet endroit. Assav ne respecte pas ça. D'un côté, c'est dommage que Bellur soit caché aux yeux du monde. Un autre dieu ? Je dirais que c'est un des rois, Oysala. Vous avez combien de rois à l'époque ? 11. Le jeune roi était le dernier de leur lignée. Son plan a marché. Il a
protéger sa ville des Perses. On est déjà venu ici. Vive le revoir, votre petit chien. Ah, bien. Et juste pour être sûr qu'on est bien avec lourd, voici le seigneur Shiva. Et Nandi. Et j'imagine que là, c'est Ganesh, du moins, avant qu'il ait sa tête d'éléphant. Possible. Ça pourrait aussi être Kartikeya, le fils aîné de Shiva. C'est le dieu hindou de la guerre. Ils ont apparemment pris des chemins différents. Bon sang! Ils ont explosé l'entrée! Sûrement l'explosion qu'on a entendue. Il y a sûrement une autre entrée. Ils essaient de nous ralentir. Ouais. Là. Je suis là, Nadine. Quel drôle de goût. Je les vois. On y va. Ils nous ont encore croisés. La ville est grande. Il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est quoi cet endroit ? Un bain ? Ou un puits ? Peut-être les deux. La tête. On est dans une sorte de cénote. Hé, hey, regarde là. La reine et ses servantes. C'était peut-être des bains royaux. Des statues de femmes pour changer. Les femmes jouaient un rôle important dans la société Oysala. Surtout les reines. Ça m'étonne pas, vu que les rois et les hommes partaient tout le temps se battre. Elle s'adonnait aussi à l'art, comme la poésie ou la musique. Bellour était leur ville, d'une certaine façon. Ça, alors, c'est quoi, cet endroit ? C'est quoi ? Un ancien manuscrit Canada. On dirait des strophes. Peut-être un poème ? On est dans une bibliothèque ? On dirait. On dirait un tambour. C'est un tambour. On perd cette sorte de chose ici. Fraser, par ici. Wow. Regarde ça. C'est incroyable. On dirait un genre d'hôtel.
On dirait surtout que les rois souffraient pour leur peuple. Ils protégeaient pas juste la défense. Les historiens pensaient qu'elle était un symbole de puissance et de domination, mais je commence à croire qu'ils se trompaient. C'était le symbole de leur peuple, de leur culture. C'était le symbole d'eux-mêmes. Alors c'est quoi ça ? Mon père est venu ici. Un gros coup, c'est sûr. Pourquoi il m'a rien dit, ce con? Tu l'as dit toi-même. Il voulait te mettre à l'abri. Je peux pas laisser Asav s'emparer de cette défense. Non. Non, pas question. Merci. Tu me remercieras si on sort ici vivante. C'est pas faux. Oublie pas Ganesh. Magnifique. Toute cette splendeur cachée aux yeux du monde. Mais comment on fait pour passer ? Allez ! C'est assez profond ! Ok. Salut Adam. Adam Game, comment vas-tu? Et merci pour ton follow. Mais... merci pour ton follow. Mais... Voilà notre entrée. Ça marche.
j'étais obligé. Merci d'être passé devant. Pas de quoi. Quoi neuf, Adam Game? Eh, hey, tu vas bien? Désolé, laisse-moi le temps de reprendre mes esprits. Je serai... Hé, hey, hé, Nadine Ross! Oh, ça alors? C'est quoi ce bordel? T'as repris tes esprits, c'est bon? Fais ta maline! À l'œil, tu sais. C'est un peu juste ici. Ah, salut. C'est une bien jolie ville. Cet endroit est inondé. Ok. Tout en douceur. Quoi? Dans les oreilles. Je déteste ça. Je donnerais tout pour une serviette. Oh mon Dieu. Tu vois ce que je vois? Tu sais, là, tout de suite, je trouve pas les mots. Putain de bordel de merde. Bien dit. C'est quoi cet endroit? Une salle de trône? Une cachette pour une magnifique défense incrustée de joyaux? Espérons. Je vois des marches qui montent. Parce que tout cassé. Faut qu'on trouve un autre chemin. Merde. Je viens de percuter un truc. Je crois savoir ce que c'est. Qu'on va bientôt avoir besoin du disque. Exactement. Par ici, Nadine. Ça marche. La main bouge. Sois plus précise. La main droite. La main droite du bas. C'est peut-être parce que cette statue est énorme, mais je viens juste de remarquer que Shiva a un cobra royal en guise de collier. C'est Vasuki, un roi des Nagas. Des entités qui prennent la forme du cobra royal. Ça représente son contrôle de la peur et de la mort. Les cobras ont toujours été mes serpents préférés. Je crois pas avoir un serpent préféré, moi. Un petit giveaway, lol. C'est quoi ce truc là-haut? Tu as tiré ou tu dis pas bonjour et un petit giveaway? C'est... Bon, et maintenant? Bah, il doit bien y avoir un truc. Il faut juste que je trouve quoi. Bizarre ça. Ça va, c'est une petite blague, c'est un petit spectacle. Lol. Ta blague était, comment dire, hilarante.
Merci, Sveinlandia pour le follow. Un peu bizarre le pseudo. Non, ça va, Ghost. Monsieur le farceur. Aha, voilà. Ok, je m'occupe de celui-ci. Et le tambour de Shiva descend. Oh, on ferait mieux de bouger. Nadine ? D'accord. Allez, saute vers le tambour. Je croyais que c'était un sablier. C'est un tambour en forme de sablier. Hé, doucement. Accroche-toi à quelque chose. Ok, doucement. Oh, c'est bon. Oh, ça va. Hein. On va essayer de le finir aujourd'hui, et après on ira sur R6. Allez voir ce qu'il y a là-haut. Je crois que c'est chapitre 7. Je suis pas sûr, mais je crois. Va falloir faire la même chose de l'autre côté. Prends pas de risque. Attends ici. Pas de problème. Cool. À mon avis, ouais, j'ai quand même pas mal de temps de jeu dessus. Merci Jackie pour le flow. Je sais pas combien de temps il a eu de durée de vie. Alors, c'était par là. Non mais... Quel con. Alors, est-ce que c'est par là? Sergio, merci. Toi, comment? Bah, c'est comme les autres, hein. Comme les autres. C'est très sympa. Au niveau des graphismes, en tout cas, déjà, on retrouve bien du Uncharted. Peut-être un peu court, mais bon. Ça, ils avaient dit que c'était un DLC, donc... Donc ça va pas être excessivement long. Oh, j'ai oublié de faire un truc possible. Et pourquoi elle monte pas? Et toi, tu y as joué? Super, j'adore quand elle saute pour rien alors que je veux sauter juste en dessous. Je veux juste faire ça et elle saute comme une conne. Allez. Donc on était là. Tac. Tac. Ah, tu as pas joué?
Bah, moi je trouve sympa, après... ça peut être au niveau de l'histoire que ça soit un peu court. Alors, il y a un truc là-bas, on va essayer de voir d'en haut. Là. Quoique, ah ok, j'ai compris. C'est bon. D'accord, d'accord, tac, tac. Il doit y avoir un truc, ah ben voilà, putain. Je cherche loin, mais en fait c'est juste à côté. Juste devant. Ah, ça va activer le, l'arme. Merci Garrick pour le follow. Non, la statue s'anime. Comment on monte dessus? C'est... Oh putain. Reste pas là. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça petit giveaway. Loul. Tu peux toujours rêver. C'est pas avec 10 personnes sur le live que je vais faire quelque chose. Pas de retour en arrière. Voir ma maison d'ici. Merci le boss pour le follow. Voir ce qu'il y a en haut. C'est tout. Max, on va vite le savoir. Merci pour le follow. Putain, merde. Ah, il y a un truc qui va se passer en bas là. Ah, ok. L'eau, elle va tomber dans le milieu. Sur cette statue de l'autre côté. Teddy James. Merci pour le follow. C'est chelou ce truc. Ah non, ça va venir ici, je parie. J'imagine qu'on n'a pas fini. Quand les Oysala veulent protéger quelque chose, ils le font pas routier. Allez. On y est. C'est cool ça maintenant. Ah, et voilà. T'avais raison. Évidemment. À propos de quoi? Que t'as dit à propos de cet endroit avec les statues et les haches. Tout vient toujours parfaitement. Trois points d'intrigue. La lumière se divise en trois rayons. D'accord. Merci pour le follow, mec. Mmh.
Nickel. Ça a l'air de marcher. Ouais. Maintenant, occupons-nous des deux autres. Allez. Oui, c'est fait. Ça se casse pas? Et là, il faut aller où? Ok. Mon avis, l'autre côté. L'autre côté, il est cassé. Évidemment. New Tiger, merci pour le follow. Fais voir. Attends. C'est bon? Ouais. Voilà, tu fais une incroyable statue. Viens par ici. Je sais. Alors je peux poser ça? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien d'ici. Arrête de bouger une seconde. Toute cette eau, c'est une purification. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon, tu peux reposer le miroir. Ils nous ont trouvés. Prépare-toi. C'est obligé. Les mauvaises personnes. Chloé.
Oui, de la Ranenia. D'accord, il m'a redonné le snipe. Alors qu'il était vide. Fait une sacrée chute. J'étais presque inquiet. Venez, quelqu'un vous attend. Il n'a pas dit un mot, malgré mes efforts pour le convaincre. Sam, merde. Hey, t'es venu? Désolé. T'en fais pas. Il frappe comme une fille. Vraiment? Et si on enlevait ces menottes que je te montre comment frapper une fille? D'aller chercher de l'aide. Oui. Je dois avouer que vous êtes plutôt du genre. D'abord, vous volez mon disque. Puis, vous demandez à votre expert de me mettre sur une fausse piste. C'est très malin. Vous avez peut-être un peu de sang indien, finalement. Chouette. C'est un compliment. Axel, merci pour le photo. Le follow. Oh, et doucement. N'hésitez pas à parler à Lino, Ambre, Kassou, Siske, Fagwent, Fashion Girl, Gag 13, Ghost, Lund, Scardy Richman. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin. Qu'est-ce qui pue ? Oh, pardon, Votre Altesse. Je n'ai pas vraiment eu accès au savon et à l'eau courante récemment. Willy, merci pour le flow. Les gens que tu aurais pu ramener. Elle m'a sauvé la vie plus d'une fois, tu sais. Au cas où ça t'aurait échappé, elle a aussi essayé de nous tuer un bon paquet de fois, Nathan et moi. Ouais, bah si tu te rappelles bien, à l'époque, vous avez voulu la tuer vous aussi. Oui, mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que dès qu'on va lui tourner le dos, elle va planter un couteau dedans. Je vous entends, vous savez. Je sais. Moi, j'ai compris. Tu sais quoi? D'accord. Je suis probablement un tout petit peu à cran parce qu'on va repartir d'ici sans rien. Mais tu dois avoir l'habitude. Je me trompe. Oh merde. Très mature. Merci. Ça suffit, les enfants. On remet ça quand tu veux. Je t'attendrai à la récré. Presque fini, je pense. Dépêche-toi. Ah, des énigmes. C'est pas rassurant. À mon avis, il y en a un qui va se faire découper. Bon, on dirait que vous avez plus besoin de nous. Alors on va vous laisser. Non, pas si vite. Vous devez connaître l'histoire. Vous voyez, Shiva offre à Parashurama la hache. Tranchera la défense de Ganesh. Une arme tellement puissante que le propre fils de Shiva est vaincu. Une autre victime de la guerre.
Non. Ouais, elle a raison, Chloé. Il va te tuer! C'est vrai. Mais si vous refusez... Merci, Frédéric Colfolo. Vous les regarderez mourir. À petit. Oh, l'enculé. Arrêtez! Fais pas ça! Shiva et Parashurama. Parashurama et Ganesh. Et maintenant. Ah. Rien par ici. Chloé, donne pas à ce débile ce qu'il veut. Tais-toi. Il cède. Elle va tomber. Tais-toi. Ganesh, t'as mis un sacré obstacle sur ma route. Thank you.
Salut, Lignero. Tu fais quoi? Tais-toi et regarde. Ouais. Je l'ai pas vu venir. Nom de Dieu. Elle en a dans le froc. Hein. Mais. Je comprends pas. Tu m'étonnes. C'est parce que vous avez tout compris de travers, mon cher. Gana. Merci, Mido Polfo. Laissez la hache le toucher. Ça n'a aucun sens. Pas pour un connard dans votre genre, non. En fait. Ganesh aurait pu battre Parashurama les doigts dans le nez. Fester, Sacha et. Alors la hache de Shiva aurait. Sand Glitch. Merci pour les flots. Et inutile. Ganesh s'est sacrifié pour préserver l'honneur de son père. Mais Mel, elle a compris. Et pourtant, elle n'a pas une goutte de sang à dire. N'est-elle pas magnifique? Quoi, vous n'avez plus rien à dire? Je peux vous suggérer un endroit où vous la mettre. Ok. Mes bons amis, j'aimerais pouvoir vous tuer moi-même, mais ce serait un affront aux dieux après l'aide que vous m'avez apportée dans cette quête. D'accord, alors vous allez faire quoi? Tu vas inonder la pièce. Tu vas me manquer. Non, mais sérieux, faut vraiment en arriver là? Dites-vous que vous n'allez pas vraiment mourir. Vous serez juste purifié et renaître. Mets-nous une balle, qu'on en finisse. Oui. Quand l'eau remplira vos poumons, vous aurez le temps de réfléchir aux choix qui vous ont amenés ici. Et dans vos prochaines vies, vous choisirez mieux. Bon, ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des tas de regrets qui me viennent là tout de suite. M'en parle pas. J'aurais tellement voulu te casser la gueule encore. Tu sais, mourir noyé juste à côté de toi, c'est pas vraiment ce dont je rêvais. Vous voulez pas la fermer, merde? J'essaie de me concentrer. Tu fais quoi? Patience et longueur de temps. Chloé, ma chère, sans vouloir te presser, tu pourrais pas te manier les fesses.
Angel Lounge, merci pour le follow. Moi je serais déjà mort. Hein. Pas toi, Linero? Non, on va bien. Juste un peu humide. Super bien. Faut que j'arrête de fumer. À terre! Tu crois qu'il nous a vus? J'espère pas. Où est-ce que ça va trouver un hélico? Ça doit être l'acheteur. Comment ça? J'ai entendu Asaf parler. Ouais. Mort noyé. D'une ancienne gare de triage, histoire de vendre. Il va vendre la défense. Drôle de façon de préserver sa culture. Hé, attends une seconde. Écoute. Tout à l'heure. T'es toujours en vacances, Finero? Je suis professionnel, c'est tout. Bien sûr. Sans rancune? Non. Je m'en doutais. Si on fait vite, on peut les intercepter avant qu'ils fassent l'échange. Ah, la voiture est là. Hmm? Retardataire. Oh. Elles sont sympas. Là, je vois les rails. On s'arrête là. Ah, t'es rentré hier soir. T'as pas encore pris le taf, non? Le moi, t'as pas retrouvé de taf comme moi pour l'instant. Je vous conseille d'être prudent. Ouais. Pour qu'ils se tirent avec la défense. Tu sais, t'es pas obligé. Je dis juste. Ça va. Voyez. Pendant tout ce temps passé avec Asaf, t'as eu aucune info sur les acheteurs. J'ai bien essayé. Asaf est vivant secret. Il a jamais parlé publiquement devant moi. Non, pourquoi? Il avait assez confiance en moi pour croire que j'étais un expert en Yosalad. Et voilà. J'ai trouvé la voie ferrée. Ça fait un choc d'avoir toutes ces structures modernes après la ville de Salah. C'est soit britannique, soit portugais. 9e siècle. Ils volent en cercle. Allez, arrête de regarder. Alors. C'est plutôt par là. Elle est où? Oh, tu connes! Ouais, bon, c'est cette semaine que je vais avoir un truc aussi. Seuls mes amis m'appellent par mon prénom. Ok, d'accord. Il paraît que tu travaillais pour un cercle. Pour supporter la torture. Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a torturé? Il n'arrêtait pas de parler de lui, de sa cause. C'est bon, on a compris, mec. Je supporte pas les gens qui parlent de lui. Et voilà. Par là! Merci Zaki pour le follow. J'aurais dû prendre ma machette. Tu m'aides? Pas de problème. Et le mec il aide pas. T'as encore du verre, tu l'as fait sur quel jeu? Battlefield 1 sur les bêta. Mais quel homme! J'avais oublié. T'as vu ça? Aussi souple que moi. Passer, allez hop. Maintenant, ah bah voilà. C'est simple. Hop, allez, hop. On y est.
Ah, on va pouvoir s'amuser. Ça pourrait faire l'affaire. Putain de merde, qu'est-ce que c'est lourd. Oh merde, tu rigolais pas. Je rigole jamais. Sur rien. En même temps, il n'y a pas de roue. Adrien, merci pour le follow. Oh, c'était risqué. T'es encore entier? Ouais. Quelle équipe? Allez, il est trop exposé là-haut. Je me sens bien plus en sécurité quand elle est là. Nadine, monte voir s'il y a quelque chose d'utile. Attends, je vais le faire. Non, c'est bon. Allez, viens, je t'aide à monter. Bon, bah, je voulais juste être galant. Black, merci pour le flow. C'est bon. Tu vois quelque chose sur quoi on pourrait grimper? Comme une caisse, par exemple? Ça doit le faire. Bien. C'est bon. Allez, montre. Vas-y, Sam. Les anciens d'abord. C'est trop gentil. Non. Elle a juste peur que je lâche et que je te laisse sur place. Bon, merci, Mister. Je ne laisserai pas partir tout seul. Ouais, ben, laisse-lui une chance. Sam, tu vois un moyen d'avancer? Si on veut. Par contre, j'ai vraiment. J'adore comme tu fais ça le jeu. T'appuies deux fois sur croix et elle saute. Sam, tu vois un moyen d'avancer? Si on veut. Par contre, j'ai vraiment besoin de ton grappin. Kodak, j'arrive. Milan, merci pour le follow. Allez, tourne-toi. Et saute maintenant. Oh, oh merde. Ça va. Tu vas bien? Ouais. Super. Je vais emprunter le grappin de Nadine. J'ai une meilleure idée. Bouge pas. Oui. Bouge pas. Tu fais quoi, Chloé? Merci pour ton repérage, Sam. Ouais, laisse ta corde maintenant. Ça marche. Qu'elle rejoint les rails. Noreline, merci. Tu peux me donner ma corde? Pourquoi t'y vas pas? Laisse-moi la corde. Ça marche. La prochaine fois, amène ta corde, merde. Attention. Ok. Mais oui, bien sûr. Elle tend le bras, mais après... J'adore. Peut-être qu'elle rejoint les rails. Je parie qu'elle va y aller en premier. Pourquoi t'y vas pas? Laisse-moi la corde. Ça marche. It's a fail. La prochaine fois, amène ta corde, merde. Kappa, merci pour le follow. Attention. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, des RPG. Bon, ils sont pas très nombreux. On devrait pouvoir. Silence. Ce type, Sav, il fait pas les choses à moitié. Il va y avoir du spectacle. Bordel de merde. Shoreline. Qu'est-ce qu'il fout ici? Vous êtes débarrassé de ces gars. Ça. Tu me prêtes le jeu pour que je teste commando? Impossible que je prête le jeu. Papa, il est sur mon PSN. Ça va. Et encore moins que je passe mon PSN. Ouais, ça va. J'ai besoin que tu restes concentré. Ça va. Bon, les filles, voilà ce qu'on va faire. Je m'occupe du type à droite. T'as ma... Non. Merci pour le follow.
Super. À terre, t'es marrante. T'as foutu le bordel et maintenant tu dis à terre. Salope. Elle est où l'arme? Y'a pas d'arme? D'accord. Ah mais j'ai pas d'arme, comment tu veux que je me défende? Comme ça. Merci. Tâche. Et où tu me tiens? Elle était juste là. Je vais intervenir. J'ai trouvé le film. Ne tire pas l'autre. Chut. Ah ouais, mais bon. Chito seul là, ils m'aident pas là, c'est drabroté. Une balle. D'accord. Ok. Je crois que c'était le dernier. Nadine, je peux te parler? Quoi? Ouais, mais... Allons voir. Tu vas bien? Ouais. Je crois qu'on peut passer par là. Un coup de main. J'arrive. Et le mec il fait rien, comme tout à l'heure. Fox Gamer, merci pour le follow. Merci. Pas là-dedans. Bien, on est presque à la
gare de triage. Ça devrait plus être long. J'étais vraiment indispensable. J'adore. Inero, tu veux jouer R6? Par les couilles du pape, elle est vivante. Nadine, elle est là-bas. Ça va, toi, en bas? Ouais, tout allait bien jusqu'à ce que Sam mentionne les couilles du pape. Vous êtes où? Près de la tour de transmission. Nadine, tu vois comment monter? On trouvera quelque chose où accrocher ton grappin. Ah, ça, ça me va. Oula. Même pas en rêve, je fais ça, moi. Elle m'attachait. J'ai quelque chose pour toi. Fixe ça contre ce support. Voilà. Ok. Vas-y, monte. Je finis de faire ma réinscription de Pôle emploi, j'arrive. D'accord. Je te le jure, tout ce que j'ai appris, c'est que l'armée indienne a coupé sa chaîne d'approvisionnement. Je cherche une aide extérieure. C'est vrai, genre là, il peut accepter la forme. Enfin, tu vois. Laisse tomber. C'est vrai. C'est coincé. Tu peux m'aider? Ouais. Merci, Kenny, pour le follow. On a 8, tu devrais te lever du milieu, toi. Eh, ça pourrait marcher, mon truc. Tu sais que tu pourrais nous aider, si tu le voulais. Non. Oh merde! Attention! C'est pas prévu! Tout le monde va bien? Ouais! On peut peut-être quand même passer à travers. On peut pas reculer. Ah. C'est trop haut. Sam! C'est pas assez grand pour l'atteindre. Viens, prends appui. Je vais t'aider. Plus on est de fous. Bonne idée, c'est pas gênant du tout. Non, c'est quand tu veux. Oh merde! Oh, pardon. Y a pas une échelle en rap dans le coin par hasard, Sam? On a vécu 2 jours de folie, pas vrai? Bah, je m'attendais pas vraiment à voir Sam Drake refaire irruption dans ma vie. Tu sais. Je savais pas trop si je pouvais te faire confiance non plus. J'ai dû te mettre un peu à l'aise. Comme quand tu me fais poireauter 2 heures dans une zone de guerre. Là, oui, t'as bien testé ma patience. Cette fois-là, j'étais vraiment en retard. C'est à cause de cette petite fille du marché qui m'a vendu une écharpe. Une vraie tête de mule. La belle histoire. Retournez toutes les deux à la voie ferrée. J'ai trouvé un truc qui devrait marcher. Ouais, on arrive.
caisse, Sam. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une caisse, moi. Mais oui, bien sûr. TZ93, merci pour le follow. Attends, elle sera pas assez haute. Oh, c'est vrai, bien vu. On rapproche le chariot. On se retrouve à mi-chemin. Et voilà, allez creuser le bulbe. Quoi? Le bulbe, c'est de l'argot pour le cerveau. Pompon Gaming, merci pour le follow. Merci pour les follow, les gars qui arrivent. Oh, je crois que j'avais raté ça. Hey Vulcain, comment tu vas? Nina et Mathéus, merci pour le follow. Des munitions, des armes? Possible. Je croyais que Shoreline ne faisait pas de trafic d'armes. Non. Avant, non. Je m'en fous pas mal de la caisse. Où est la défense? Je vois Sav avec... Orca. Qui? Mon ancien lieutenant. Oh, je me souviens du gars. Le mulet avec un type accroché en dessous. Hein? Ah, elle a piégé. Bon, l'accord est conclu. Pote Orca à la défense. Bon, allons soulager. Hey, wow, wow, wow. Vous avez un plan au moins? Je vous ai dit qu'il y avait 12 d'hommes là-bas. Hey, relax. Tu vivras plus longtemps. Mm. Je suis si fière. C'était quoi ça? Enlevez vos crans de sécurité, aucune info de nos guetteurs, on nettoie le secteur. Faites gaffe avec Ross. Merci. Super. Comment décoller? Notre défense qui se met. Faut que les rebelles, ces salopards. Ils en ont plein les toits. Ça va. Quoi de neuf depuis le temps? C'est bien trop calme ici. Qu'est-ce qui se passe?
s'est fait buter. Il se planque dans le coin. Dispersez-vous. Le tien. Yes. Même ou quoi? Brûlez. Tire encore dessus. Viens voir petit. Oh! D'accord.
Quoi, alors tu veux sincèrement savoir ce que j'en pense? Je trouve que c'est de la grosse merde. J'ai fait la bêta, j'ai détesté. Lève-toi. Reviens si tu trouves quelque chose. Comment ça vous devez la trouver? Négatif. Je les tiens. Tu vas me lâcher? Pas mon sang. Sauvez la peau. C'est la merde. Tu as raison, il n'y a que l'histoire qui est intéressante, peut-être. Peut-être, ça c'est même pas sûr. Et le multi, non, le zombie peut-être. A voir, mais je pense pas lâcher dès la sortie. Hein. Au niveau des tirs, des armes, tout ça, je trouve que c'était vraiment un chier parce que... Allez, couvre-moi toi. Ça va être... Mais j'ai le mec devant moi, c'est moi qui prends la balle. Allez. Nique ta mère. J'ai fait quoi moi sur Call of Duty? Je vais faire 3 ou 4 parties, pas plus. Putain! Je l'ai eu! Va à la porte!
Oh, le truc, il s'est pris 40 000 trucs. C'était une question rhétorique. J'aurais dû t'abattre sur cette île maudite. J'aurais préféré. Ça m'aurait évité d'avoir à vous regarder fuir comme une lâche. Bon, ça va. Vous réglerez vos comptes plus tard. Ok. La défense. Merci. Vous deux. Ensemble. Soit vous avez vraiment une mémoire de chiotte, soit vous avez complètement touché le fond. Décidément, c'est ma fête aujourd'hui. Moi, j'en suis pas réduite à trafiquer des armes avec une bande d'insurgés. Ah, nous y voilà. Nous y voilà. Oh, vous et votre esprit étroit. Vous pensez vraiment que j'aurais échangé ça contre des munitions? J'en ai rien à foutre. Donne-moi la défense. Bon, ben... vous allez rater le feu d'artifice. Je te le répéterai pas. Ok. Attrape. Non ! Beau boulot. Merci. Peut-être un peu bâclé, mais... Quand tu veux, tu bouges. Ok, compris. Je pourrais la regarder une seconde. D'accord, mais un tiers est à moi, tu sais. Tu partages avec Chloé. Ok. Je sais que c'est nouveau pour toi, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dis-toi que c'est le prix de mes services. Laisse-moi te dire une chose. C'est une bombe. Quoi ? Bon sang. Un sab a échangé la défense contre une bombe. Le feu d'artifice. C'est pas bon. Je sais. Ces rails vont droit vers la ville. Vers le marché. Rejoignons le prochain village. Alertons les autorités. Ce sera trop tard. Si elle explose, des milliers de gens mourront. Et c'est vraiment un grand drame. Mais on a ce qu'on est venu chercher. Enfin... Quoi ? T'as quand même pas l'intention de poursuivre ce train. Ok, fonce ! Fonce, t'as un plan ? Apparemment, c'est pas utile dans votre petite organisation. Tu vas vraiment la laisser faire ? Non, je... Enfin, elle a pas temps pour tout. Attends, je sais pas, ok ? C'est pas notre combat. Tu l'as dit toi-même. Mettons que tu rattrapes le train, et après, on peut pas désamorcer la bombe. T'as raison. Bon. Bon, alors, on contacte les autorités. C'est pas notre combat. C'est le mien. Si cette bombe explose, ça déclenchera une guerre civile. Je peux pas l'accepter.
J'en ai marre de fermer les yeux. Tu mourras. Ça me gêne pas. Hey. J'ai presque fini mon linéo. Mets ma part de côté. Ok. On sait jamais. Hein? Tu vas pas me laisser tout seul avec elle? Descends. Non. Je monte devant. Oh. D'accord. Je m'assois derrière. Quoi? Viens! Fuis le pont! Quelqu'un a vu une route quelque part? Je me fais mes propres routes! Bien, alors garde les yeux sur la route! Hé, hey Sam, tu voulais conduire? Ouais, en face, si on veut. Dommage, accroche ta ceinture! Un an 232. Bonne chance, Sam. Il va s'en sortir. Tu t'inquiètes pour lui? Bah, il a la défense. Hé, hey, t'as vu où ils ont mis cette caisse géante? Près de la motrice. Bien, c'est notre prochain objectif. On peut aller sur le côté. Compris. Essayons de l'autre côté. Think. Wow, on se détend. Là, c'est vraiment dangereux. Comme celle-là. L'effet de surprise. Bonjour les boys. D'accord.
respawn t'as 400 000 ennemis. Oh putain! Et mets-toi derrière! Allez. D'accord. Tu peux pas gagner. Allez, 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 allez. Tu peux pas continuer. Contourner. Bonjour.
C'est quelque chose. C'est infinissable ça. Pas trop dur? Non non, c'est infinissable. On y est. Oh, t'as vu, regarde, putain. Tout ce qui reste. J'ai l'impression de reculer, pas d'avancer. Bonjour! J'ai besoin de toi! Ça va? Je sais qu'il me restait 5-10 minutes, mais non. C'est elle qui sont tout seul et je me fais tuer. Ok. Camion il tombe tout seul. C'est elle qui veut pas sauter, hein. Vilaine. Vache, qui a eu cette idée merdique? Moi. Ah ouais. Changer la défense contre une bombe, réquisitionner un train, ça va du mec témoin à préparer ça. Le plaisir de lui foutre ses plans en l'air sera d'autant plus grand. On est arrivé à mon avis. Je crois qu'on y est presque. C'est coincé. Je vais t'aider. C'est vraiment lourd. Fonce, je m'en occupe. Ok. Oh, elle est bien plus grosse en vrai. C'est du matériel militaire. Par ici, aide-moi. Oh la vache, c'est trop lourd. Tu peux la désamorcer? Elle exploserait si j'essayais. Plan B alors. On va à la motrice. Tu viens? Ok, vas-y. C'est bon. On peut glisser par là. Allez. Non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont soudé la porte. Fais chier. Hey, on frappe. Réfléchis pas à ce que tu fais. Fais-le. Allez. T'y arrives? Non. Elle est soudée aussi. Il doit y avoir un autre moyen. Si t'as la moindre idée, je suis tout ouïe. Un levier.
Quoi? Là, une gare de triage. Si on l'atteint, on pourra détourner le train et gagner du temps. Ok, bonne idée. Oh, merde! Il peut pas se virer! Une voiture! Elle est toute touille. Sam! Sam! Où est Nadine? Sur le train! Il faut s'occuper de l'aiguillage! C'est vraiment pas le moment! Et les bouffons! Vous pouvez nous lâcher la grappe deux secondes? À l'aiguillage. Pousse! Allez, allez, allez! Merde, Nadine! Salut Louis, comment tu vas? Attends. T'es vraiment sûr? Elle sait se débrouiller. Sam. Ok, je voulais juste. Merde! Quoi de neuf, Louis? Ok, voilà le train. Mais comment je monte à bord? Je ne vois aucun pont, ni passage à niveau. Je n'ai pas aidé. Moi, je vois. Comme un homme très patient. Mais vous êtes une variété de vermine particulièrement tenace. Maka, merci pour le follow. Je sens que je vais me faire plaisir. Vas-y, montre-moi un peu ce que tu sais faire. Bats-toi. Vous allez risquer vos vies. Et pourquoi?
pour une ville de paysans ? Mais quel parfait connard ! Le sang des anciens rois coule dans mes veines. Mon peuple renaîtra de ses cendres. Bon sang ! J'aurais jamais dû venir ici ! Et il résiste encore. Ces terres sont à moi. Qu'est-ce que vous espérez y gagner ? On s'intéresse surtout à ce qu'on peut vous faire perdre. La bombe ? J'en rachèterai une autre. Je brûlerai ta ville, voleuse. Et ton peuple me sauvera. Nadine ! Finissons-en. Je te tuerai. Fais la paix avec tes dieux. D'accord. Bah, Jacqueline et Mireille, il y a eu un problème. Adieu. Le mec, tu lui as foutu 40 000 coups. Lui continue à te foutre des coups. Faire mal ça. C'est pas la bonne que je regarde. Je peux faire la rouge. Non.
La vue est quand même un petit peu chiante là maintenant. Allez! Moi je me bats les couilles! C'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Regardez-moi ça. Waouh. Ouais. Eh ben, on vient de loin. Shoreline, tu conquiers le marché des armes. J'arrête avec Shoreline. Vraiment. Bon, là, on va se taper que des cinématiques. En fait, je me disais que je retenterais bien de partir à la chasse au trésor. Tu connaîtrais pas un con égoïste qui cherche une partenaire ? Pas toi. D'accord. Ah, désolé, je bosse qu'avec des... Ouais. Où est la défense? C'est pas... Oh, c'est pas vrai. Non, ça... Je déconne, la voilà. T'as fait une... Ah bon, oui. Oh, d'accord. Merde. C'était ma dernière clope. Elle est vraiment superbe. Ouais. Combien on pourrait en tirer de cette beauté? Eh ben, je suis sûr que le ministère de la Culture nous donnera une généreuse et belle prime. Pas vrai? Ensemble? Le coude. Ah. Oh. Vous êtes trop marrante. Le ministère de la Culture. J'y crois pas, vous êtes sérieuse? Bon, on va quand même épargner le trailer. Donc on revient dans 20 minutes je pense sur R6. Allez, à toutes.